Šta danas je dan predstavlja za vas, gospodine, I šta znači za Srbiju I za Francusku? Današnji dan, 12. jul, to je 14. jul, dan državnosti Republike Francuske, obeležava za nas Srbe I za Francuze dan, kada smo, dan koji će predstaviti francusko-srpsko prijateljstvo I koji nas spaja. Ovog dana znamo da je Francuska mnogo pomogla Srbiji tokom Prvog svjetskog rata I da je njena pomoć tokom albanske golote I proboje Solunskog fronta jako bitna. Pre nekoliko dana smo održali komemoraciju generalu Franše de Pereju. Bilo je 82 godine od njegove smrti I želimo da povežemo Francusku I da nastavimo te odnose koje smo imali posle Prvog svjetskog rata, tokom Prvog svjetskog rata I koji su se nažalost izgubili posljednjih godina. I želimo stvarno da mlade ljude okupimo oko tog francusko-srpskog prijateljstva oko kog su naši preci bili okupljeni pre. Le 14 juillet représente pour nous les Serbes et les Français le jour où on s'est tous on sera tous réunis. La France et la Serbie sont des grandes amies depuis la Première Guerre mondiale. La France a beaucoup aidé les Serbes pendant dans le front de Thessalonique, pendant la Golgotha d'Albanie. Et en fait, pour nous les Serbes, et surtout pour les jeunes, c'est un moment de se réunir, de raviver cette flamme de l'amitié franco-serbe. Il y a quelques jours, on a eu la commémoration de 82 ans de la mort du général Franché de Perret. On rappelle que le général Franché de Perret est un voïvoda d'honneur de l'armée serbe et on veut vraiment rapporter cette amitié aux nouvelles générations. Šta biste mogli da pošaljete kao poruku francuskom I srpskom narodu za budućnost? Za budućnost želim da kažem da se, kao što sam rekao, prisetimo tog francusko-srpskog prijateljstva, da se povežemo, da stvaramo nove mostove i u domenu kulture, nauke, tradicije, istorije I da se spajamo. J'aimerais tout d'abord dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se réunir, de repenser à cette amitié franco-serbe qu'on a eue et de travailler dans plusieurs domaines, c'est-à-dire la culture, l'histoire, les sciences et vraiment travailler cette amitié franco-serbe. Voilà.